ils ont l'air assez balèzes aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de m'asseoir dès que je peux m'asseoir. Vas-y, si tu veux descendre à ton rythme en attendant, vas-y. Ou si tu veux faire une pause, tu fais comme tu le sens. Tu veux la moto celui-là ou quoi? Allez, allez. Oh la vache, t'as entendu? Oh la vache. C'est par ici, d'accord? C'est sur la place du village là, entre, à côté du Vitara. Bon. Ça, il pourra réfléchir un peu. Bon, bah c'était sympa. Ouais, moi je comprends, mais. Je suis désolé, mais là. Je me suis tué. Encore une fois. Je connais cette sensation de tout ce que tu as envie de faire. C'est rentrer chez toi et faire un câlin à ton chat, j'imagine. Non mais c'est sûr. Mais j'ai pas de chat moi. Ah, je vais rentrer ce soir, je vais faire un câlin à papy. Voilà. On fait dur alors? Ouais, c'est sûr. Ouais, après. On fait mal. Si t'es allé au bout, t'es allé au bout. Je regarderai sur la vidéo. Bien, bon. Tu veux pas qu'on mange la boule là, puis comme ça après. Si vous voulez. Comme ça on fait une petite pause. Le temps que... On va avoir un joueur qui va rentrer plutôt que prévu. Il est pas malade, il est pas. Il n'est pas blessé, mais il est coté. Comme on dit, il est coté. Il est, tu rentres par autoroute, hein. Il est secoué, quoi. Ouais, ouais, tu fais un direct. Ah oui, il est tombé, beaucoup de fois. 4h30, on voit que. Oui, c'est Roland. Le pauvre. Bah, il a eu. Il a, c'est sa première fois, hein, donc il a fait quelques chutes, mais là, il a fait la chute de trop. Bon, il a rien de cassé, je pense, hein, parce que là, il sourit, là. Bon, peut-être une côte fêlée. Peut-être une côte fêlée, quand même, mais ça date d'il y a deux jours. Oh, trop stylé, la rouge. Touche pas, Baptiste. Ouais, ouais. Voilà. Touche pas, tu touches à rien. Ouais,
Ouais, et la verte aussi. Non, en vrai, elles sont toutes trop stylées. Ouais. Oh, la bleue, elles sont trop stylées. Mais tu sais, je l'avais dit, la roue, elle est trop stylée. Moi aussi, j'aurais celle pour la roue. Ouais. Une moto cross pour la montagne. Et j'aurais aussi une moto normale pour la roue. Ouais. Elle fait trop motocross. On dirait qu'elle est maigre. Celle-là, elle est bien grosse. Mais en fait, elles sont toutes pareilles. La plus stylée, c'est la rouge. Non, la plus stylée, c'est celle-là. Non, celle-là, elle est maigre. La rouge, après, allez, après c'est, elles sont toutes les deux pareilles. Non, après, en termes de couleur, elle est moche. Mais sinon, en termes de fort, elle est beaucoup... Mais en fait, celle-là, je trouve, elles font trop moto de route. Mais c'est pour la route, c'est pour la montagne en même temps. Oui, moi je préfère les motos cross, tu vois, elles sont minces, tu vois, enfin je préfère. Non, moi je préfère un peu plus. Venez, on va voir si elles sont. Ouais, elles sont grosses, tu viens une par contre. Bon, Ronan. Bon. À la prochaine. Merci, hein. Ton âme. Crabe la gomme, pas ton âme. Ronan nous lâche au kilomètre 700 tout pile. Ah, comme par hasard, il a une Ténéré 700, comme par hasard. Et c'est ici que nous laissâmes Ronan, qui après de nombreuses chutes et quelques douleurs incessantes, préféra rentrer au bercail. Auprès de sa blonde. Ouah, oh, j'arrive. Personne va prendre. Tu vois, ça peut pas tomber là.
dans les virages. Ah là, t'es au-dessus, là, au-dessus du muret. Et tu vois l'eau, oh putain la vache. Alors, on demande quelle langue? Je vais mettre en anglais, tiens. Je demande en anglais. Oh, je comprends pas par contre. J'ai peut-être fait une erreur. C'est un allemand. Oh, mais la sérénité ne l'habite pas. Il n'est pas de son côté. Il fait des gens. Attends, mais pas si tu pourrais bouger. Ouais, mais je pense que tu as tout ça. Ah, c'est un jeune homme. C'est un jeune allemand. Ça nommé Helmut. Ah, mais t'as vu, depuis qu'on est derrière lui, on le tue parce que je sais pas, il doit rien sur la compte. Il doit paralyser le jeune Helmut. Oh, 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 oh,